Arena vous offre votre émission Chrono Sport 15. Bonjour amis fidèles internautes de Jeunetudiant TV, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour votre émission sportive qui passe en revue toute l'actualité sportive Chrono Sport 15, comme vous le savez, toujours accompagné de mon divin journaliste Majadian Mozo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, au programme de votre émission, aujourd'hui nous allons parler de la conférence de presse du sélectionneur national Aliou Cissé, le débrief de la liste des 25 joueurs, nous allons analyser secteur par secteur, un retour, une absence de taille, des nouveaux qui vont disputer pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations, à découvrir sur Chrono Sport 15. N'arrêtez rien, le développement, c'est tout de suite après le jingle. Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié le 31 mai une préliste des joueurs qui vont disputer la CAN 2019. 25 joueurs vont prendre part à l'estage. Alors, je vous laisse découvrir les explications du sélectionneur national Aliou Cissé. 25 joueurs seront concernés pour ce début de stage qui aura lieu le 4 juin au stade à l'hôtel Rhinocéros à Saly, où nous resterons pratiquement 4 jours ou 5 jours avec la prise des drapeaux et repartir dans notre cas d'entraînement à Murcie, en Espagne, où on restera là-bas jusqu'au 14 juin. C'était à l'instant Aliou Cissé, le sélectionneur national qui a présélectionné, comme je l'ai dit tantôt, une liste de 25 joueurs. Alors, moi, j'ai vu les explications d'Aliou Cissé. Alors, certainement, les Lions vont bénéficier d'une bonne préparation. Oui, ils vont bénéficier en tout cas d'une bonne préparation. Tout a été bien identifié, bien dit également, notamment dans le cadre de la préparation. Je crois quand même que c'est quelque chose que la fédération maîtrise. En tout cas, pour la liste, je crois que Aliou Cissé a choisi pour la continuité, c'est son maître mot. D'accord. Apparemment, la quasi-totalité des gens qui vont défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, voilà, sont des joueurs qu'on connaît déjà. Apparemment, 80%, ou bien même je dirais 90% des joueurs convoqués avaient pris part au match que le Sénégal a joué contre le Madagascar le 23 mars dernier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Aliou Cissé a joué la carte de la prudence, la carte de la continuité. Et comme il a l'habitude de le dire. Restons un peu sur la préparation. On a vu que le staff a choisi l'Espagne. Un bon choix selon vous? Oui, je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est un choix quand même qui a été bien maîtrisé, surtout que quand même au niveau de l'Espagne, plus précisément à Alicante, c'est là-bas qu'ils vont en tout cas mettre le camp de base. Le Sénégal, le sélectionneur national et ses joueurs seront là-bas pour une semaine pour la préparation. Je trouve quand même c'est assez pertinent parce que quand même Alicante, c'est à peu près le même climat que l'Égypte. Voilà, en moyenne, ça fait 28 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les joueurs auront la possibilité de s'acclimater autant qu'il fait au niveau de Caire. Et je trouve quand même que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors, maintenant, nous allons parler de la liste des 25 joueurs présélectionnés par le sélectionneur national. Lorsque vous avez vu la publication, votre première réaction? Oui, la première réaction, c'est quand même de dire qu'en tout cas, Aliou Cissé a choisi les joueurs avec qui il a en tout cas confiance. Je vois quand même pas mal de joueurs, notamment des joueurs qui ont déjà disputé. Voilà, on voit peut-être le maillage entre joueurs expérimentés et joueurs qui vont disputer peut-être les premières compétitions, les premières Coupes d'Afrique des Nations. Je trouve quand même qu'il y a des joueurs qui vont disputer le troisième CAN, à l'image surtout de Gana Gueye, entre autres. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont arrivés en tout cas à maturité, ce sont des joueurs qui sont assez expérimentés. C'est que quand même, ce sera un groupe du Sénégal qui sera très constant et c'est un groupe qui sera très intéressant parce que quand même, ce sont les joueurs qui certainement vont défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal jusqu'au bout pour enfin atteindre l'objectif ou même dépasser l'objectif, c'est-à-dire gagner la Coupe. Gagner la Coupe. En tout cas, nous espérons de gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui on rappelle qui est l'objectif principal de l'équipe nationale du Sénégal. Alors maintenant, nous allons débriefer secteur par secteur et nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire le secteur des gardiens. Pour le secteur des gardiens, donc je vous laisse découvrir. Abdoulaye Diallo, Alfred Ndiaye, Edouard Mendy, Majane, vous avez vu la liste, un choix logique. concernant les trois portiers. Oui, je trouve quand même que c'est un choix quand même qui est assez acceptable, hein, parce que quand même ce sont toutes les trois gardiens qui ont l'habitude de défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal depuis un certain temps. Je dirais même depuis quand même les 5 ou bien 6 dernières rencontres que le Sénégal a jouées, y compris même la Coupe du Monde, parce que quand même ce sont les trois gardiens qui étaient de la partie. Je trouve quand même que c'est assez constant ce que fait Aliou Cissé dans ce cas de figure. Et il n'y a pas en tout cas de débat en ce qui concerne le poste de gardien de but. C'est tout à fait normal que les trois soient donc choisis par Aliou Cissé. Madjane, un focus concernant Abdoulaye Diallo, qui était titulaire indiscutable de l'équipe nationale du Sénégal, mais au fil du temps, qui a perdu sa place, même en club. Régression concernant le gardien de but. Oui, c'est quand même une régression notoire qu'il faudra essayer de dire, parce que quand même, voilà, au début de la saison, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Kepo, il était en train en tout cas de faire en sorte de gagner sa place de titulaire. À un moment donné, il l'a gagné, mais quand même, il était blessé, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette blessure l'a éloigné des terrains, des pelouses, depuis un certain temps. Et conséquence, les autres gardiens de l'équipe nationale du Sénégal étaient en train également de faire des matchs quand même exceptionnels au niveau de leur club. Je fais allusion surtout à Edouard Mendy, qui a été impérial cette saison avec Reims, qui fait partie en tout cas des 5 meilleurs gardiens du championnat français. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la conséquence est que c'est lui qui doit en tout cas garder les cases des lions pour la compétition. Abdoulaye Diallo, peut-être les années à venir, il fera de son mieux pour retrouver son temps de jeu. Espérer retrouver sa place au niveau des buts des Lions. D'accord. Vous vous souvenez de Koulibaly? Oui. Un problème entre Aliou Cissé et Joseph Koto. Voilà, donc nous allons parler après moi de Koulibaly qui est en train de disputer même la Coupe du Monde U20. Et aussi, félicitations à l'équipe nationale du Sénégal qui s'est qualifiée en quart de finale en battant le Nigeria par 2-1. Alors, Madjane Koubalindiaye qui a été sélectionné par Aliou Cissé lors des matchs contre le Madagascar et le Mali. Alors, il était pressenti selon les observateurs pour remplacer Abdoulaye Diallo. Oui, je trouve que même moi-même, j'avais même cette impression que, en tout cas, lorsqu'Aliou Cissé l'a convoqué pour qu'il puisse prendre part au match contre le Mali et contre le Madagascar, je me disais que c'était peut-être lui le troisième gardien de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que quand même c'était un joueur que les U23 avaient besoin pour le match contre la Guinée, mais malheureusement il a été sélectionné et conservé au sein de l'équipe A. Donc je me dis que peut-être Aliou Cissé va le sélectionner au niveau de la Coupe d'Afrique, à peu près, voilà, parfois on ne comprend pas l'attitude d'Aliou Cissé. Maintenant il a décidé de ne pas le sélectionner, voilà, à la place d'Abdoulaye Diallo. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un choix qu'il faudra essayer de respecter, et je crois quand même que c'est un jeune joueur, il aura le temps de progresser et voilà, devenir au sein de l'équipe nationale du Sénégal. C'est ça. Voilà, et Madjane, une pensée aussi à Khadim Diaye qui s'est blessé et qui ratera aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Propre établissement à Khadim Diaye. Après, donc, le secteur des gardiens, donc, nous allons parler des défenseurs. Qui parle des défenseurs parle forcément des rocs, le maillage. Donc, on peut dire que c'est même l'un des aspects les plus importants du football, la défense. Oui, on peut dire, parce que quand même, c'est le dernier rempart. Aujourd'hui, si vous n'avez pas en tout cas des défenseurs qui sont assez costauds, tu ne pourras pas en tout cas faire des résultats qui sont assez concrets. L'exemple, c'est Liverpool. On a vu la saison dernière avec ce qui s'est passé. Quand on parle de défense, peut-être on globalise tout avec le gardien de but, etc. Ce qui s'est passé notamment lors de la finale de la Ligue des Champions. Cette année, on a vu quand même, ils ont allé acheter Virgil Van Dijk et Alisson. Et ça a été payant. Et ça a été payant. Quand même, c'est un poste qui est assez stratégique, la défense, dans une équipe de football. Voilà, je vous laisse découvrir donc, la liste des défenseurs présélectionnés par Aliou Cissé. Huit défenseurs présélectionnés par Aliou Cissé. Alors, Madjane, votre lecture par rapport aux défenseurs? Oui, par rapport aux défenseurs, je crois quand même Aliou Cissé a choisi quand même, bon, je peux dire la continuité, parce que quand même ce sont les mêmes joueurs qu'on retrouve. Je crois que quand même les défenseurs sénégalais, en tout cas, ça fait partie des postes où Aliou Cissé n'a pas trop de contraintes, trop de choses à revoir, à refaire surtout. je trouve quand même ce sont deux joueurs qui sont, voilà, qui sont présents depuis pas mal d'années. Et c'est tout à fait normal qu'il choisisse en tout cas ces joueurs, notamment au niveau de la défense avec Koulibaly, Salif Sainté. Quand même, voilà, c'est assez intéressant. Et c'est tout à fait normal aussi. C'est tout à fait normal. Alors, Madjane, un seul gaucher pour la défense, Salif 6. Est-ce que aussi, c'est pas un choix un peu risqué, même si on sait que c'est Sabali des fois qui dépend sur le côté gauche? Oui, tout à fait. C'est un choix qui est assez risqué. Et je crois que quand même, Aliou Cissé a souvent l'habitude de convoquer quand même un seul gaucher pour ces compétitions. Je rappelle que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Aliou Cissé c'était le seul gaucher défenseur de arrière gauche plus précisément de cette équipe nationale du Sénégal, malgré qu'il n'a pas pu en tout cas prendre part à cette compétition. Mais je crois quand même, voilà, pour une équipe comme le Sénégal qui pêche toujours au secteur de la défense au niveau de l'arrière gauche, on peut dire quand même l'alternative c'est surtout de trouver d'autres joueurs comme vous l'avez tantôt dit, notamment Sabali. Qui peut dépanner au poste d'arrière droit et cela pourrait compenser également ce qui veut dire qu'aujourd'hui qu'on n'a pas en tout cas un gaucher des métiers au niveau de ce poste et je ne crois pas que ça aussi viendra pour dépanner. Ça aussi c'est important et c'est à souligner aussi. Et nous allons parler aussi de Cheikhou Kouyaté qui était un élément incontournable au milieu de terrain. Mais on a vu qu'il a intégré la défense. Comment comprenez-vous l'attitude d'Aliou Cissé? Oui, en tout cas je trouve que c'est un peu bizarre. Je trouve quand même qu'il ne peut pas se passer des services de Kouyaté. C'est la raison pour laquelle il a appelé et le fait reculer de grand au niveau du poste de défenseur central. Ce qu'il faut dire également, c'est que quand même la concurrence est assez rude au niveau du milieu de terrain. C'est très compliqué pour lui, non seulement ces derniers mois, ces derniers matchs que le Sénégal a joué, c'était compliqué pour lui de se faire quand même une place au sein du milieu de terrain. Et quand même, c'était important pour Aliou Cissé de faire venir un gars comme Kouyaté. C'est bon pour le mental des gars, entre autres, pour le groupe. Et le faire reculer au niveau quand même de la défense, je trouve quand même c'est assez intéressant. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est surtout qu'il a quand même convoqué, je trouve, un seul défenseur de métier. Central, deux défenseurs centraux de métier. Koulibaly, Pape Abou Cissé. Voilà, les autres sont des milieux de prédilection. Voilà, on verra ce que cela va donner, même si Sané actuellement s'en sort bien avec son club Salve. Alors, quand je vous dis le rock ou bien le baïfal de l'équipe nationale du Sénégal, vous pensez à qui? À Kara Mbodji. À Kara Mbodji, donc on ne peut pas passer sans parler de Kara Mbodji. Kara Mbodji, le grand absent de la liste d'Aliou Cissé. Oui, c'est le grand absent de la liste d'Aliou Cissé malgré le lobbying qui a eu lieu toutes ces dernières semaines. Voilà, les Sénégalais sont levés pour dire qu'aujourd'hui que Kara devrait être sélectionné, mais moi je trouve quand même Aliou Cissé a raison sur ce point de vue parce que quand même depuis la Coupe du Monde où Kara n'était pas présent au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a essayé d'autres joueurs qui ont répondu présent. J'ai fait allusion surtout à Papa Abou Cissé qui a été impérial pour son premier match au niveau du Sénégal, au Stade Léopold Senghor, si je ne me trompe pas, qui a marqué également un but. Voilà, il y a également Salif Sainté qui répond toujours présent. Il est là, toujours présent. Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour Aliou Cissé de se séparer de ses joueurs pour convoquer Kara Mbodji. Je crois que quand même l'avenir pourra permettre à Kara d'intégrer à nouveau la sélection. Merci beaucoup, Madjane, c'est pertinent. Alors, après les défenseurs, nous allons parler des milieux de terrain. Des milieux de terrain, donc qui est aussi un élément très important. Et pour le milieu de terrain aussi, je vous laisse découvrir. Ces joueurs sont présélectionnés donc pour disputer aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors, quelle analyse faites-vous aussi du milieu de terrain? Oui, là aussi, je trouve que quand même l'ossature, en tout cas, il a gardé le poumon dorsal de cette équipe nationale du Sénégal. On trouve quand même des joueurs qui sont là, notamment Gana Gueye. Il a amené également d'autres joueurs comme Krépin qui vont peut-être faire le jeu, entre autres. Maintenant, on trouve quand même au niveau de ces milieux de terrain, il y a d'autres joueurs qui sont également revenus, notamment Henri Saivet. C'est assez bien, parce que quand même, pour les balles arrêtées, le Sénégal a besoin de ce joueur comme Henri Saivet qui pourra peut-être faire des résultats là-dessus. Surtout sur ce point, Henri Saivet, donc, il n'était pas attendu. Forcément, parce que selon les internautes, les observateurs, personne ne pensait au retour de Henri Saivet, mais c'est un bon choix finalement. Oui, on peut dire en attendant qu'il valide en tout cas la liste des 23. Parce que quand même, entendu lors de la conférence de presse, il a dit qu'en tout cas c'est à lui de faire en sorte qu'il en fait, c'est à lui de nous dire qu'il mérite sur le terrain sa place parmi les 23. Maintenant, je trouve quand même que Henri, voilà, il a compris à un moment donné qu'il faudra qu'il essaye de trouver quand même du temps de jeu. Lorsqu'il était à Newcastle, ce n'était pas le cas. Il est parti au niveau de Sivasspor. Il a disputé une trentaine de matchs. Il retrouve sa forme. Et c'est tout à fait normal qu'il soit présélectionné par le sélectionneur Aliou Cissé. Et on verra s'il fera partie en tout cas des 23. Que dire aussi du retour de Sidy Sarr? Oui, Sidy Sarr aussi, je crois quand même que c'est un joueur qui est assez intéressant, même s'il prend en tout cas du poids, je trouve, en tout cas, il a comparé poids, voilà, aux dernières années où il a joué, notamment les CAN des moins de 20 ans, entre autres. Mais on verra, Sidy Sarr, je ne crois pas, en tout cas personnellement, qu'il va disputer cette compétition, mais on verra ce que le sélectionneur Aliou Cissé va choisir. On verra. Alors, on va parler aussi de Krépin Diatta. C'est ça certainement donc, une première pour lui. Est-ce que le Sénégal peut espérer produire un beau jeu longtemps désiré par les observateurs ou bien même les supporters? Oui, tout à fait, parce que quand même lors du match contre le Madagascar, on a vu que quand même lorsqu'on l'a amené au niveau du milieu de terrain avec Ghana, mais également avec Papa Alioune Ndiaye, je crois qu'il y avait quand même un petit jeu, il y avait quand même, voilà, quelque chose qu'ils ont essayé de créer, et c'est quelque chose de bien également. Je crois que quand même que Krépin Diatta, c'est le joueur que le Sénégal doit avoir au niveau du milieu de terrain pour pouvoir créer du jeu, pour pouvoir casser des lignes également. C'est un joueur qui est assez intéressant et j'espère que quand même pour cette Coupe du Monde, pour cette Coupe d'Afrique, il répondra présent. On espère en tout cas pour Krépin Diatta. Alors Madjane, un autre coup dur aussi concernant le milieu de terrain avec la blessure de Cheikh Ndoye. Oui, la blessure de Cheikh Ndoye, en tout cas c'est un coup dur pour Aliou Cissé surtout, parce que quand même c'est un joueur qu'il aime bien, il dit que Cheikh Ndoye c'est un guerrier, mais de toute façon... Et il a une influence concernant le VCR, tout ça. Tout à fait, c'est un leader, et on a besoin de ce genre de joueurs dans notre équipe nationale pour pouvoir poster les autres. Propre rétablissement à lui. Propre rétablissement à Cheikh Ndoye, et maintenant Madjane, c'était tout concernant le milieu des terrains. Après le milieu des terrains, on va attaquer les attaquants. Je pensais qu'Alain Cissé allait me sélectionner, mais malheureusement pas. N'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Alors, merci beaucoup, Madjane. Donc, nous allons prendre une pause et revenir après. C'est avec notre sponsor officiel, B-Sport Arena. B-Sport vous offre la possibilité de vous entraîner, faire du shopping et également profiter d'un restaurant sans changer de cadre. Venez en famille et profitez des installations du complexe B-Sport qui allie confort et convivialité. Réservé au 33 827 27 26 ou 77 572 77 77. Merci beaucoup à les sponsors officiels de Chrono Sport 15 B-Sport Arena où vous pouvez venir jouer des matchs très alléchants entre amis, collègues. Voilà, donc et on rappelle aussi Jeunetudiant TV va jouer un match contre l'équipe de Go TV. Ce sera donc le 14 juin. Oui. Voilà, vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Hein. On est prêt. Ah, oui. les acteurs contre les journalistes. Ah oui, ce sera un match qui sera décisif et je crois que les journalistes vont battre les acteurs. Les acteurs. Ah, oui. En tout cas, on attend avec impatience les acteurs comédiens, comme César, Killer, etc. Ah, oui. Merci beaucoup, Madjane. Donc, nous allons aussi continuer avec le secteur des attaquants et je vous laisse découvrir la liste. Alors, ces attaquants aussi ont été présélectionnés. Alors, apparemment, il n'y a pas eu un grand changement. Oui, il n'y a pas de grand changement. Le Sénégal, en tout cas, a toujours eu de bons attaquants. Et on a vu quand même Aliou Cissé a misé, en tout cas, sur les joueurs qui sont en forme pour le moment. Et c'est sur les joueurs avec qui, en tout cas, il a confiance. Les joueurs avec qui il a cheminé depuis pas mal d'années. Et je trouve quand même, voilà, il n'y a pas de surprise par rapport aux attaques, aux attaquants qu'il a eu à sélectionner. D'accord. Alors, Madjane, un petit focus aussi. On sait que le Sénégal est riche en attaques avec des joueurs qui ont explosé cette saison dans le championnat réceptif. À l'image de Sadio Mané qui a gagné la Ligue des Champions et surtout félicitations à lui. D'accord. Et aussi Sidi Ismaïla Sarr et Mbaye Niang qui ont gagné la Coupe de France. Il y a aussi Mbaye Diagne, meilleur buteur. Il y a aussi Djahabali qui a participé à la qualification de l'Inter de Milan concernant la Ligue des Champions. les attaques en feu de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, tout à fait. Je crois quand même que le Sénégal a toujours eu de bons attaquants, comme je l'ai dit tantôt. On ne se plaint pas toujours hein, au niveau de ce secteur des attaquants, surtout cette année également. Apparemment, c'est la même chose. On voit quand même qu'il y a des joueurs qui sont en train de briller au niveau de leur club. Et je trouve que quand même c'est de bonnes augure pour l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, je crois qu'il faudra faire attention, même si le Sénégal a toujours eu de bons attaquants. Je crois quand même... les années passées nous rappellent quand même, qu'on doit être beaucoup plus prudent. Parce que je rappelle que lors de la Coupe d'Afrique de 2012 sous l'ère Amara Traoré, le Sénégal avait quand même trois attaquants de fou. Il y avait Moussa Sow qui était meilleur buteur du championnat de France. Il y avait Papis Demba Cissé qui était au niveau de Fribourg. Il y avait Demba Ba également qui était au niveau de Newcastle et qui faisait quand même vraiment voilà, des choses vraiment incroyables. Mais malgré tout, le Sénégal a été éliminé au premier tour. Voilà, je trouve qu'il faudra faire attention là-dessus. Et je crois qu'en tout cas, pour cette compétition, ce sera de la bonne. Et on ne va pas en tout cas vivre l'épopée de Bata. On prie encore. Voilà. On continue à prier aussi. Alors, pour rappel aussi, le Sénégal va jouer un match amical contre le Nigeria le 16 juin. Un seul match amical. Est-ce que ça suffit pour une préparation? Je trouve que ça ne suffit pas parce que quand même, un seul match amical... cela ne nous permettra pas de peaufiner la stratégie qu'il faut pour cette compétition. Même le choix de l'adversaire, le Nigeria, c'est vrai que c'est une équipe de qualité, une équipe également qui peut créer des choses à cette équipe nationale du Sénégal. Mais je trouve quand même que la fédération devrait peut-être choisir une équipe peut-être maghrébine pour pouvoir se jauger de cette équipe algérienne. Ça, c'est vrai. Il y a également la Tanzanie et le Kenya, qui d'habitude sont des équipes qui ne jouent pas, je ne dis pas qu'ils ne jouent pas bien au football, mais qui jouent avec des blocs bas. Et on a vu que quand même le Sénégal a toujours des difficultés voilà, sur face à ces équipes. Et je trouve quand même qu'il serait peut-être intéressant de trouver une équipe de ce calibre pour permettre aujourd'hui à l'équipe nationale de se préparer. Un seul match, à mon avis, ça ne suffit pas. On aurait peut-être avoir deux, comme le font la plupart des sélections. Merci beaucoup, Madjane. Pratiquement, on a fait la revue de tous les secteurs. Et avant de terminer, je vous laisse faire un classement de l'équipe nationale du Sénégal. Et je vais laisser aussi le soin à Youssou Ndiouk, à El Hadj Diouf aussi de faire aussi le classement en commentaire. Et même les autres internautes. Gardien de but. Gardien de but, ce sera Edouard Mendy. Edouard Mendy, gardien de but. Voilà. Défenseur. Défense dans l'axe, je mettrai Koulibaly et Salif Sainté. Koulibaly, Salif Sainté, voilà. Des côtés. Et sur les côtés, Sabali et... Comment il s'appelle encore? Moussa Wague. Et Moussa Wague, oui. Moussa Wague, ok. C'est bon. Et au milieu de terrain? Au milieu de terrain, je vais mettre Papa Alioune Ndiaye comme sentinelle. Papa Alioune Ndiaye. Et devant, je mettrai Gana et Krépin. Gana et Krépin. Voilà. À l'attaque? Sur les côtés, voilà, ce sera un système de 4-3-3, je ne l'ai pas dit. Donc à l'attaque, ce sera... Mbaïna au niveau de la pointe de l'attaque. Et sur les côtés, Sadio et Ismaël Sarr. Sadio et Ismaël Sarr. Alors, vous aussi, ces internautes, vous avez la possibilité de mettre en commentaire vos classements de l'équipe nationale du Sénégal et qui sera aussi publié sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Madjane. Et on va terminer par l'appel aux supporters de venir supporter l'équipe nationale du Sénégal et surtout prier pour que le Sénégal gagne enfin la Coupe d'Afrique des Nations, tant souhaitée par les supporters, mais aussi par les amateurs de foot. Bien sûr, comme on a joué à l'habitude de dire, l'union fait la force. Et je trouve quand même tout le monde on doit tous prier pour l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, comme on a joué à l'habitude de dire, et comme le dit également, comme on a joué à l'habitude de dire, il faudra qu'on fasse le maximum possible pour supporter les Lions, leur booster, les encourager, et laisser les querelles de côté. Merci beaucoup, Madjane. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Alors, que réservez-vous aux supporters ou même aux internautes de Jeunetudiant TV concernant au cœur de la CAN? Oui, au cœur de la CAN viendra avec beaucoup de surprises. Il y aura quand même des plateaux qu'on fera tout au long de cette Coupe d'Afrique. Avec des analyses, il y aura également des débriefs d'après-match, surtout de l'équipe nationale du Sénégal. Et il y aura pas mal de surprises. On leur dit tout simplement de s'abonner. De s'abonner. Pourquoi pas même le journal de la CAN? Alors, merci beaucoup, Madjane. Donc, le mot de la fin. Je dis tout simplement aux internautes, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et bye bye. Merci beaucoup, chers internautes de Jeunetudiant TV. C'est toujours un plaisir de vous servir pour votre émission sportive Chrono Sport 15. Mes remerciements particulièrement à l'équipe technique Sohna, Mbaye Babakar ainsi que Jean-Darc Colline. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Jeunetudiant TV, lemagazintudiant.com, jeunetudiant.com. C'est le plaisir de s'informer. On se rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Chrono Sport 15 vous a été offert par B-Sport Arena.